êtes à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Patrick et Pierre et Julien Raffanel, notre chef de la semaine, qui est chef du restaurant La Grande Georgette, c'est à Reims. Ce soir, un tartare de veau et d'anguille, tout a été mêlé. C'est ça. On y a rajouté de la saugette, non, la tagette, des salicornes, des feuilles d'huître et les fameux raisins de mer. Voilà, en petites grappes minuscules. Ça se trouve dans la mer. Exactement, une petite algue. Vous avez bien retenu. Et on va accommoder ça de tuiles. On va tout monter, nous, après de notre côté, et vous allez faire ce qui va faire que c'est magnifique à la fin, c'est la petite tuile qu'on va poser dessus. Donc ici, une pâte à tuiles. Une petite pâte à tuiles, toute simple. Il suffit d'étaler sur un moule à tuiles. Exactement. Et il suffit que je fasse ça comme ça. Voilà, vous étalez bien dans les petits rebords. Oui, voilà, hop, c'est un atelier, ça. Oh là là, il ne faut pas que ça déborde. Il ne faut pas que ça déborde. C'est comme les enfants. Oui, j'en ai un peu trop, j'ai pris trop de pâte à tuiles. Oui, non, là, c'est dégoûtant. Comment est-ce qu'on répare ? Hop. C'est hyper dur de ne pas dépasser. Faut utiliser. Bien sûr. Mais oui, chef. Vous avez raison, chef. La partie de la spatule. Comme ça, vous mettez votre pâte. Et ensuite, vous étalez. Ah, voilà. Et ensuite, et voilà, le dessin se fait. Est-ce qu'on voit la pâte à tuiles ? Ben oui, voilà, c'est magnifique. Hop. Merci, chef. Je vous en prie. Merci. Et ça, au four, quelques secondes. Et voilà. Exactement. Par-dessus, le tartare de veau. Et d'anguille. Merci, chef, à tout à l'heure pour le dîner. Dans la France meurtrie par la Grande Guerre, la photo d'un soldat revenu du front sans aucun souvenir ni aucune identité paraît dans la presse. Julie, qui n'a jamais cru à la mort de son mari, est certaine de le reconnaître. Mais une autre femme affirme que ce soldat inconnu est son homme. Ces photos, c'est toi qui les as prises. Ça te rappelle rien ? Rappelle-toi. Toi, t'es serveur. T'es photographe. J'ai apporté ça. J'y arrive, Benjamin. Puis Julien. Toi, c'est Victor Brunet. Je suis désolé que ça se passe comme ça. Je vais saisir la justice. Le tribunal décidera si vous êtes Julien Delaunay ou Victor Brunet. Et vous pourrez refaire votre vie. Je vais pas le perdre une seconde fois, je le supporterai pas. Pourquoi vous faites ça ? Pour les mêmes raisons. On n'a qu'une seule vie. Je préfère te savoir heureux avec elle que malheureux avec moi. Tu dois beaucoup m'aimer pour me dire ça. Est-ce que tu crois ? Bien sûr que je t'aime. Je veux tout savoir. T'as jamais douté ? Jamais. Parfois, je me demande si tu fais pas semblant. De quoi ? Ne pas te rappeler. Je peux vous donner de l'argent. Vous disparaissez de sa vie. Madame Delaunay venait proposer de t'acheter. Je t'aime déjà. Moi aussi, tu m'aimais. Tu aimes qui ? Je sais pas qui je suis. Karim Leclou est-il Julien, le photographe amoureux de Leïla Bekti, ou Victor, le serveur lanceur de couteaux fou de Louise Bourgoin ? Un suspense amoureux au cœur de ce premier long-métrage signé Guillaume Bureau, mercredi prochain au cinéma, servi par un trio d'acteurs qui relève le défi d'incarner la sincérité des sentiments de leurs personnages, dont on sait avec certitude qu'au moins l'un des trois ment. Ils sont ce soir nos invités. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Louise. Karim, on demande souvent aux acteurs pourquoi ils ont accepté un rôle, mais là, la question, elle est répondue, non ? Oh oui, c'est une chance, hein, vous imaginez. Vous perdez la mémoire, et vous vous réveillez, il y a deux femmes qui se battent pour vous, Louise Bourgoin et Leïla Bekti. C'est un film qui donne de l'espoir, en tout cas. Tous les amnésiques et autres, d'ailleurs. C'est un film qui est doux. Oui. Ça fait du bien, un peu de douceur dans ce monde. Ça fait du bien. Ouais. C'est la première fois que vous jouez le rôle d'un séducteur, Karim ? Oui, c'est la première fois, en tout cas, que j'ai l'occasion de me retrouver dans un film romantique où la thématique sur un film amoureux est la thématique centrale, et d'être accompagné par deux partenaires de rêve, c'était plaisant. Et c'est des actrices à la fois charismatiques et qui renvoient un glamour dans le cinéma français qui est assez rare. Qui est... Vous entendez. Bah oui, je fais comme si elles n'étaient pas là, mais voilà, c'était une chance inouïe, et puis j'étais très heureux. Moi, c'était la première fois que je jouais dans un film, je veux mettre des guillemets, que je qualifiais de film de love. Voilà, donc c'est mon premier film de love. C'est vrai. D'habitude, je ne fais pas toujours des films doux, et là, c'était un film de love. De love. De love. C'est vrai qu'il s'agit d'amour, et ça nous interroge sur ce qu'est véritablement l'amour, Leïla. Ouais, est-ce que l'amour nous donne une identité ? Est-ce que c'est l'amour qui nous donne... Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas un film d'amour, c'est un film sur l'amour. Et waouh.
Qu'est-ce que j'ai dit? Non, je ne sais pas, parce que tu m'as regardé. Mais j'attendais la suite, Leïla. Oui, ben non, la phrase s'est arrêtée là. Elle est trop belle. Mais est-ce qu'on doit être la personne qu'on nous demande d'être ou celle qu'on a envie d'être, en fait? C'est exactement. Ça. Exactement. Non, mais on va se répondre que que par oui, non, peut-être. Peut-être. Louise? Bah, il est question d'un homme, en fait, à qui on explique que sa vie doit être comme telle et qui décide de s'émanciper et de devenir qui il est. Et ce qui est très beau, c'est que, bah, d'abord, le personnage de Karim est complètement amnésique et ça renvoie, en fait, à un fait divers qui a beaucoup marqué au sortir de la Première Guerre mondiale, puisque c'est un vrai amnésique qu'on a retrouvé sur un quai de gare en 1918 et qui s'est fait reconnaître, en fait, par plus d'une centaine de personnes comme un frère, un père, un ami, un fiancé, un mari. En fait, il faisait renaître de l'espoir, en fait. Voilà, il aidait les familles dans leur deuil, en fait. Et c'est une belle métaphore de l'amour aussi, parce que quand on perd quelqu'un dont on est amoureux, on a l'impression de vivre un deuil. Et là, c'est l'espoir de le voir renaître en quelque sorte sous nos yeux. Ce sont des femmes qui se battent pour un homme, mais par amour. Parce que les deux femmes que vous incarnez, elles n'ont absolument pas besoin d'un mari. Exactement. Non. Ça, c'était pas financièrement. C'était une volonté, oui, de Guillaume, de raconter deux personnages féminins complètement indépendants. Elles travaillent, elles gagnent leur vie. Elles conduisent des voitures. Elles ne veulent que Karim pour... Ouais. C'est un des plus beaux aspects du film. Et il y en a pas mal. Franchement, c'est vachement bien, ça. Merci. D'ailleurs, votre personnage, Louise, est prête à laisser partir l'homme qu'elle aime pour qu'il soit heureux. Ça, si ça, c'est pas une preuve d'amour. Ça, ça vient d'une discussion qu'on a eue avec le metteur en scène sur ce que c'était pour moi que l'amour absolu, le plus bel amour, c'est ça, c'est de laisser la liberté à l'autre s'il a envie de partir. Je sais pas si j'en serais capable, mais en tout cas, c'est la beauté de mon personnage. C'est un rôle de composition, on va dire. C'est un rôle de composition. Frimousse. Oui. C'est le nom de scène de votre personnage, une chanteuse de cabaret, un rôle chanté que vous espériez secrètement, Louise? Secrètement, parce que je prenais des cours de chant depuis quelques années et ma prof de chant, qui est la prof de chant de la Comédie Française, m'avait dit « Un jour, tu auras un rôle chanté !» Elle a une voix comme ça, un peu à la Roselyne Bachelot d'ailleurs. Et c'est arrivé et c'était très difficile parce que d'abord c'était des chansons d'époque, en tout cas pour deux d'entre elles, donc avec une certaine tessiture et puis très technique. Et puis il fallait danser en même temps, donc ça a été pas mal de travail. Mais ça m'a aidé à rentrer tout de suite dans la peau du personnage. Malgré les mises en garde de votre mère, qui vous disait non, tu n'acceptes pas un rôle où il faut chanter. Alors j'ai eu l'impression de braver un interdit à 40 ans, puisque ma mère m'a toujours dit, tu peux tout faire dans la vie, mais ne chante pas, c'est pitié. Finalement, en travaillant, j'ai réussi à poser un peu ma voix. On aurait aimé diffuser un extrait de l'un des titres que vous interprétez, mais pour ça, il faudra aller voir C'est mon homme mercredi prochain en salle, parce que c'est très joli. Donc, votre mère dit n'importe quoi. Oui, si je peux me permettre de la clasher, là. C'est vrai, Leïla? Non, mais moi, c'est ce que je te disais. Et puis, je lui avais dit aussi, il y a des acteurs à qui ça va hyper bien, l'époque. Et je trouve que c'est la première fois que je t'ai vue, Louise, sur le plateau. C'était assez hallucinant, avec son costume, le chant, la danse. Enfin, c'était, donc oui, je confirme, la maman avait... Des fois, les mamans, elles ont tort. Et les comédies romantiques, c'est un genre que vous adorez. C'est pas franchement une comédie romantique, mais l'aspect love dont parlait Karim, oui, ça vous plaisait, quoi. Oui, complètement. Et puis j'ai adoré jouer une grande amoureuse. Ouais. J'ai adoré... elles sont remplies de convictions, de détermination, et en même temps... ça lui fait faire des choses risquées, et puis ça justifie pas non plus les mauvais comportements que Julie peut avoir. Et j'ai aimé aussi tous ces paradoxes et tous ces... Elle est pas lisse, Julie. Il y a aussi, enfin, cette notion de suspense amoureux, oui. qui en plus, je trouve, renouveler le genre amoureux, puisque on est quand même sur on ne sait pas qui manipule qui. En même temps, on a affaire à trois personnages ultra sincères. Qui paraissent très légitimes. Et du coup, je trouvais ça... que c'est assez jouissif en tant que spectateur de suivre un film, justement, où le film nous interroge tout le long du film sur justement, qui il est et comment, finalement, l'histoire d'identité n'est pas qu'une question de science, mais c'est aussi une question de croyance. Et je trouvais ça assez, assez joli. Et toute cette douceur, comment c'est amené par notre réalisateur, Guillaume Bureau, c'était quelque chose d'assez beau à voir. Vous avez vachement raison tous les trois d'insister sur la douceur que Guillaume Bureau a donnée. Parce qu'il y avait une histoire à laquelle on peut penser, celle de Martin Guerre, oui. Mais on est dans la violence du Moyen-Âge. Tandis que là, même si je suis le plus âgé du plateau, on a toutes et tous des parents, des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui ont connu la guerre de 14.
Donc on pense à des tas de gens autour de nous à qui ça aurait pu arriver. Et cette douceur que le scénario installe et que vous installez tous les trois, on est vachement porté et on s'attache d'autant plus à vous que vous êtes indépendante, qu'on ne sait pas et à la limite, on n'a pas envie de savoir. Mmh. Parce qu'on a envie que ça dure, cette histoire. Elle est belle. C'est une vraie histoire de love. Il a raison, Karim. Avec Leïla Bekhti en réalisatrice, puisque vous êtes photographe et vous mettez en scène les photographies que vous prenez parce que vous avez pris la suite de votre mari disparu. Et ça, vous avez bien aimé ce rôle-là. Ouais, et puis j'ai metteuse en scène. Enfin, metteuse en scène, oui, mais surtout, il y a un moment où elle essaie de convoquer les souvenirs de Julien, et il y a rien de plus. Alors, c'est très beau, et en même temps, c'est profondément triste d'essayer de demander à quelqu'un de se souvenir de quelque chose dont il se souviendra peut-être jamais. Et c'est vrai que Mais j'ai aimé être photographe, ouais. Et elle passe par la photographie pour convoquer les souvenirs. Exactement, et essayer de raviver la mémoire. Je trouvais ça joli, parce qu'elle a beaucoup participé aussi à l'écriture de son rôle. Et ce qui pouvait être un flashback est devenu le temps présent. Et je trouve qu'il y a une scène où on apprend à dire « je t'aime ». Ça paraît si facile dans les films de dire « je t'aime ». Je trouve qu'il y a une scène qui montre la difficulté de dire « je t'aime » à quelqu'un. Et je trouvais ça très joli, là, encore une fois, dans un film d'amour, d'apprendre à dire « je t'aime » à quelqu'un. Moi, ça m'a plu. Non, mais je sais pas, j'ai un flash. J'ai l'impression que ça y est, maintenant, vous allez enchaîner les rôles de lover. Ouais, il est parti. Moi, je vois Pierre Lescure. Et ça vous donne envie de dire « je t'aime ». Ah bah, je pense, vous m'excusez, mais au président que vous avez été du Paris Saint-Germain, je vous remercie. Ah oui, pas du tout. Je pensais à Canal+. Ben oui, mais c'est aussi le PSG. Voilà. Bon, on parlera de foot parce qu'on a une petite surprise pour vous, Karim. Je vais essayer de rester sage. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Pourquoi tu t'imagines quoi? Je ne sais pas, mais dès que ça touche la question. Bah, et c'est qui et tout? C'est qui Voilà. Reparlons d'amour, s'il vous plaît. On va parler d'amour, on va parler de foot, mais là, tout de suite, c'est l'œil de Pierre. Mesdames, et vous aussi, Karim, je vous propose de célébrer avec moi le 100e anniversaire de la mort de votre ancêtre, Sarah Bernhardt. Elle était née en 1944, je ne vous dis pas, évidemment je parle de 1800, je ne vous dis pas le jour, car elle a toujours menti à 2-3 ans près sur son âge, et personne ne le saura jamais, puisque l'hôtel de ville a brûlé avec ses archives en 1871, tout a disparu, plus de traces. Elle a été la première star internationale, jouant sans cesse au théâtre et dans les premiers films avant le parlant, la première aussi à parcourir les 5 continents, portant partout sa voix qu'elle aimait tant. Oui, prince, je l'envie, je brûle pour que je l'aime. On l'appelait la voix d'or, c'est-à-dire qu'on venait l'entendre. Avant l'arrivée du cinéma, la voix, c'était l'empreinte de l'acteur. Là où aujourd'hui quelqu'un chercherait l'intime, là-dedans, dirait « oui, prince, je languis, je brûle pour t'aiser ». Eh bien non, elle faisait tout le contraire. « Oui, prince, je languis, je brûle pour t'aiser, je l'aime. Non, point tel que l'ont vu les enfers. Voilà, j'adorateur de 1000 objets divers. » C'est un extrait du très beau doc que propose en ce moment la chaîne Histoire sur son site avant diffusion. Dimanche prochain à 22h15, dans les innombrables pièces où Sarah Bernhardt a triomphé, elle privilégiait toujours les rôles où elle mourait. Elle mourait d'un coup de feu, défenestrée, étranglée, assassinée. Elle était la meilleure pour passer de vie à trépas, c'était son rôle préféré. Et pour que nul ne l'ignore, elle avait installé chez elle un cercueil, et elle se faisait photographier dans le cercueil et ça faisait scandale. Pas loin du cercueil, il y avait tous ses animaux, des singes, un lionceau, des alligators, des perroquets. Elle avait également embauché en bonne reine de la com qu'elle était et influenceuse avant le siècle. Elle avait embauché un illustrateur à qui on doit toutes ces fameuses images, y compris sur des produits dérivés qu'on connaît de Sarah Bernhardt. Je disais reine de la com parce que pendant l'expo universelle de 1878, elle avait l'habitude de monter en montgolfière au-dessus des Tuileries et dans sa nacelle, elle sabrait le champagne, elle bouffait du foie gras et elle disait « je préfère m'élever de Paris car l'odeur est trop mauvaise ». Pendant la guerre de 1870, elle a réquisitionné le théâtre de l'Odéon pour recueillir les blessés. Elle les veillait la nuit en leur récitant des poèmes. Et 40 ans plus tard, pour un genou mal soigné, elle a été amputée de la jambe droite. Et là encore, je pense à vous trois, en vous disant qu'elle est allée en chaise à porteur dans les tranchées pour soutenir le moral des troupes.
Ah oui. Elle va jouer dans les tranchées. Attention, c'est pas du tout... c'est du vrai théâtre aux armées. Elle était à 100 mètres du front. Et c'est tellement sidérant, même pour les gens de l'époque, que Clémenceau l'a fait déclarer trésor national dans l'espoir qu'elle arrête, qu'elle revienne, en fait. Et vous n'avez presque pu la croiser, d'ailleurs, Karim, dans votre personnage dans le film, dans les tranchées. Ah, parce que là, je me suis dit, en 14. Et ce monstre, et ce monstre sacré, selon la formule que Cocteau a créée pour elle, a eu les amants les plus célèbres de Victor Hugo à Gambetta, en passant par Pierre Loti et le prince de Galles. Elle était l'amie de Rostand, d'Oscar Wilde et de Marcel Proust. Colette, qui la visitait quelques jours avant sa mort, dira « Elle voulait plaire, plaire encore jusqu'aux portes de la mort ». Ses obsèques en 1923, donc, furent officieusement, mais réellement, nationales. À l'instant précis de sa mort, c'était en soirée, tous les rideaux des théâtres parisiens descendent en plein milieu des pièces. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Sarah Bernhardt est morte. Le gouvernement français n'a pas jugé bon de faire des funérailles nationales. Qu'à cela ne tienne, près de 400 000 Parisiens ont suivi le cercueil de Sarah Bernhardt du boulevard Pereire au Père Lachaise dans une sorte de communion insensée. C'était le symbole mondial du théâtre qui mourait. Et cette fois, c'était en vrai. Ah oui. Je vous ai parlé du doc sur la chaîne Histoire, dont vous venez de voir quelques extraits. Je vous conseille aussi une biographie de Claudette Joannis consacrée à Sarah Bernhardt, qui vient d'être publiée par la petite bibliothèque Payot. Merci beaucoup, Pierre. On n'y manquera pas, en tout cas, à ces deux rendez-vous-là. C'est l'heure du vu. La 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites va-t-elle être marquée par des violences? Le ministère de l'Intérieur craint la présence d'un millier de casseurs, dont certains étaient samedi à Sainte-Soline. L'image du jour, il s'agit de l'équipe chargée de trouver une forme d'intelligence chez les membres de la BRAVEM. Bonne chance à eux. Aujourd'hui, il y a 70% des Français qui imputent la responsabilité de cette violence au chef de l'État qui, en deux minutes, peut apaiser tout le pays en retirant sa réforme. Un manifestant est dans le coma à l'issue du week-end d'affrontements avec les forces de l'ordre qui ont fait des blessés de part et d'autre à Sainte-Soline. Comment expliquer un tel chaos? 14h45, un observateur de la Ligue des droits de l'homme arrive sur place. On a tout de suite en fait entendu des échanges sur le fait qu'il y avait une difficulté pour appeler le SAMU. Il y a eu effectivement la confirmation par le SAMU qu'ils avaient ordre de ne pas intervenir. Une civilisation qui, pour quelque raison que ce soit, porte préjudice à une vie humaine, ne mérite ni ce nom, ni de perdurer. Les renseignements territoriaux alertent sur un durcissement du mouvement, une évolution dans le profil des manifestants. Le sujet de la répression et des violences policières pourrait cristalliser la colère des jeunes. Ils pourraient être beaucoup plus nombreux. Il est à craindre des incidents graves dans une cinquantaine de villes. Ils balancent leur tête en arrière afin d'augmenter la portée de leurs cris pour mieux communiquer entre eux. Cette fois-ci, le cri annonce une menace. Demain, le dispositif de sécurité sera inédit. 13 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 5 500 à Paris. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Je suis à la disposition des partenaires sociaux. Il faut qu'on trouve le bon chemin. Est-ce que ce sont des rencontres bilatérales, une intersyndicale? Il faut qu'on mette de l'apaisement et que l'on puisse reprendre le travail sur tous ces chantiers. Pas si simple, car pas question de remettre l'âge de départ à la retraite sur le métier. La journée de demain, c'est la dernière ou pas? Mobilisation? Non, pas forcément. Pas forcément? Pas forcément, tout le monde dit... Parce que vous demandez une pause, vous pouvez peut-être vous l'appliquer à vous. Est-ce qu'à un moment, la responsabilité est la vôtre, c'est pas d'accepter la règle démocratique, Laurent Berger? Le texte, il est passé par le 49-3, qui fait partie de la Constitution, qui est inscrit dedans. Est-ce que c'est pas vous, par votre obstination, qui fragilisez la démocratie aujourd'hui? J'arrive pas à réaliser. Je réfléchis, je regarde partout. Je me dis, mais c'est une blague. Il est temps de calmer le jeu et de le calmer vraiment assez profondément. La mise en pause, ça ne veut pas dire l'arrêt de la réforme, mais si ça peut remettre tout le monde autour de la table, pourquoi pas? Vous savez, quand on reconnaît ses torts, oui, ça, c'est à moitié pardonné. Ouais, c'est totalement pardonné.
Elisabeth Borne fixe un objectif. Ne plus utiliser le 49.3 hors texte budgétaire. La gauche ironise, car il restait un seul 49.3 possible d'ici juillet prochain. Mais tu sais que tu mens. Dans le sondage du JDD dimanche dernier, le Front National progresse de 7 points. Bon, on a très bien compris qui bénéficie de ce... Et pas la gauche. Mais non, la gauche, elle progresse de 1 point, le Front National de 7. Un piquet de grève devant l'un des monuments les plus visités de France. La même tonalité en Allemagne qu'en France. Méga grève aujourd'hui, outre-Rhin. Un mouvement unitaire des syndicats, c'est très rare dans le pays. Les transports sont paralysés. Dans un contexte d'inflation, l'objectif est de réclamer des hausses de salaires significatives de 10%, alors que l'État et les entreprises publiques proposent 5%. Et puis en Israël, Benjamin Netanyahou annonce une pause dans son projet de réforme de la justice, une réforme qui accroît les pouvoirs des politiques sur les juges. Hier, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Tel Aviv et aujourd'hui, le principal syndicat du pays avait appelé à la grève générale, appel levé ce soir. Allez, oui, ça s'est récupéré. Allez. Et la frappe de Benjamin Pavard. Un Kylian Mbappé. Mbappé. Non mais regardez ce Kylian Mbappé. Oui, un peu plus égyptien. Dernière minute, temps réglementaire. Cette fois-ci, il a bien frappé. Oh, ça vaut 3 points. Ah oui, ça fait... La piscine, elle va faire combien? 25 000 mètres carrés. Imaginez, une piscine de 25 000 mètres carrés. Ça n'existe pas. C'est la plus grande piscine de Dubaï? Du monde. Bien sûr, chez vous, combien elle mesure votre piscine? Peut-être que vous n'avez même pas de piscine. En numéro 1, le plus de déchets, Coca. C'est Coca. Ouais. Numéro, on va voir le hit-parade. Voilà. Numéro Pepsi. 2, Pepsi. Pepsi. Unilever, Nestlé et Danone. Et effectivement, cinquième à ce hit-parade des plus gros pollueurs et déchets qu'on trouve dans le monde. Alors que le GIEC appelle le monde à bannir les énergies fossiles, tous les pays, y compris la France, subventionnent gaz et pétrole. Lorsqu'une meute se lance dans une poursuite, aucun animal de la savane n'est en sécurité. La plaine tremble de terreur, et pour cause. C'est un engrais azoté de synthèse qui, une fois apporté au sol, contribue aux émissions de protoxyde d'azote, qui est un gaz avec un effet de serre 275 fois plus élevé que le dioxyde de carbone. Ces aides en faveur de l'agriculture intensive représentent 10 milliards d'euros par an, contre seulement 1,5 milliard pour une agriculture plus favorable à la planète. En tout, entre 20 et 67 milliards de dépenses publiques sont néfastes au climat. Voilà pour le vu du jour. C'est une grande amoureuse, une Julie, délicate, émouvante et folle amoureuse de Julien dans C'est mon homme. Une Alexandra sur le fil, plus folle furieuse que folle amoureuse, de Marc dans La flamme et le flambeau. Mesdemoiselles, oui, je l'ai eu. De folle amoureuse à folle furieuse, c'est ce genre de grand écart que vous aimez faire, oui. Leïla, en réalité. J'adore. Ouais. C'est l'idée de pouvoir faire des choses différentes et de pouvoir explorer dans la comédie et dans le drame. Et c'est ce qui me plaît le plus. Mais il y a Julie qui est folle amoureuse de Julien. De Julien, et il y a Alexandra qui est folle amoureuse de Marc. Ouais, c'est des amours différents, on va dire. Elles sont prêtes à tout, toutes les deux, quand oui, même. Oui, c'est vrai qu'elles sont prêtes à tout. Ouais, mais Julie n'est pas aussi folle que Alexandra. Non, mais elle se met en danger. C'est vrai. Mais on se met toujours en danger un peu par amour, non? Oui, pas comme, comme Alexandra. De toute façon, Alexandra qui est devenue culte, est-ce que vous saviez qu'Alexandra était présente, y compris dans les slogans de manifestation contre la réforme des retraites? J'ai vu une fois, oui, j'ai vu un truc passer. Un slogan, c'est-à-dire qu'au lieu de crier Marc,
on crie Marx sur les panneaux des manifestations. Et le problème, c'est que quoi que vous fassiez, vous devenez un phénomène, Leïla. Il y a eu Alexandra et son Marc. Et puis plus récemment, j'imagine que vous l'avez vu à l'occasion de l'émission d'Amazon Prime, LOL qui ressort, on rappelle le principe, il faut faire rire ses adversaires pour les éliminer. Vous avez eu un coup de génie, une perruque, un peigne jaune géant et une imitation de Little Richard. Le peigne, il est hilarant. Le peigne, il est hilarant. Je peux vous la faire d'une autre manière, en étant plus émouvante. La pable, le bas, la bimbo, tout good, on blues, tout good, on blues. La pable, le bas, la bimbo. Mais tu t'es éliminé, du coup, t'as rien volé. C'est irrésistible. Et ça a été décliné à l'infini sur les réseaux sociaux. Non, mais on ne voit plus que ça ces derniers jours sur les réseaux sociaux. La pable, le bab, la bimbo, tout good, one blues, tout good, one blues. La pable, le bab, la bimbo, tout good, one blues, tout good, one blues. La pable, le bac. Le peigne, il est là. Ah, j'adore. Un petit bonus, rien que pour vous. Ah, j'adore. Mais vous vous attendiez à devenir un mème, Pierre Ninet, vous avez prévenu. Ouais, il m'avait prévenu dans le ouais, non, mais ça me fait, moi, ce qui me fait hyper plaisir, c'est que les gens, je sais que la vie, elle est pas très facile en ce moment, et que voilà, si on peut permettre à des gens de rire un petit peu, moi, ça me fait ma journée, quoi. Vous en recevez combien par jour comme ça? Mais ça n'arrête pas. Là maintenant, ce qui est drôle, c'est dans la rue. On me dit des lapins blouba et je réponds on a bambou. Et je rentre dans un taxi. Ni bonjour ni au revoir. Ouais, on se dit plus bonjour. Non mais ça me fait ouais, c'est trop plaisir. Vous avez un peu un point commun. Vous êtes toutes les deux aussi drôles que belles, sans jamais avoir peur du ridicule. Quand est-ce qu'on se dit allez hop on y va, on fonce, on a ce talent là de faire rire et. Je pense que ça passe par le plaisir. C'est le plaisir de le faire et. Enfin, je me souviens quand j'ai commencé mon grand journal, Bertrand Chameroy, d'ailleurs, qui travaille avec vous, m'a beaucoup aidé, parce qu'il était stagiaire à l'époque de Michel Denisot. Et il a participé à mes sketchs, mais j'imitais des personnages. Et c'était par rapport aux invités que j'avais face à moi. Et je montais moi-même les sketchs et j'ai adoré ça. J'ai adoré regarder des vidéos en boucle pour essayer de copier au mieux les intonations de Roselyne Bachelot, Ségolène Royal ou Carla Bruni. C'était parfois raté, mais les gens étaient bienveillants. En fait, c'est la tentative, je crois, qui fait plaisir, même si c'est un peu à côté parfois. C'est... Là, c'était réussi quand même. Là, c'est sur Little Richard. Je parlais de moi. Non, je parlais de moi. Toi, toi je suis désolée, j'étais vraiment Little Richard. C'était très bien. Non. Mais le peigne géant, ça se trouve où? J'ai vu le peigne, j'ai vu la Ah, c'était pas anticipé. C'est venu comme ça, anticipé. Non, parce qu'en fait, j'ai vu tout. Je me suis dit, oulala, il y a un truc à faire. Parce que non, mais parce que pour le coup, je suis pas humoriste. D'ailleurs, j'ai fait cette vanne tous les épisodes parce que j'ai pas. C'était une bonne vanne. Oui, mais j'ai pas la prétention de. Je sais que je fais pas rire. Là, si, attends. Non, mais je suis pas. Lara Fabian. Non, mais parce qu'il y a le peigne, il était vraiment. Et d'ailleurs, il le dit, c'est le peigne qui est hilarant. Et puis c'est bête, t'as envie de rire pour rien, du coup, comme t'as pas le droit de rire, forcément. Exactement. Ah non. Oui, vraiment pour un peigne. Très grand comme ça. Patrick. Oui, ah oui. Karim. Oui, non, mais on m'avait dit. Non, il y a encore une question. Louise et Karim, vous êtes déjà croisés autour de Malade et de Lit d'hôpital pour Hippocrate, évidemment, la série imaginée, réalisée par l'ancien médecin Thomas Lilti. Louise, vous étiez Chloé, interne aussi brillante qu'ambitieuse, et vous étiez le docteur Bacha, Arben de son prénom, qui vient prêter main forte. Au service, un extrait de la saison 1. Alors ? Ah ! C'est le globe vésical. Oui, il est énorme. On est vraiment trop con. Et John aussi, il est un peu con. Il aurait pu nous dire qu'il n'arrivait pas à pisser, hein ? Visiblement, il pouvait pas, non. Tu m'étonnes qu'il soit devenu fou. J'espère que les reins sont pas flingués. Monsieur, on va vous placer une sonde urinaire et ça ira tout de suite beaucoup mieux, d'accord ? Ouais.
Laura, tu m'aides ? Oui. Pour enlever le pantalon ? 3. C'est drôle parce qu'il y a toujours eu un truc sous-jacent entre le docteur Antowska, donc Chloé, et le docteur Bacha. Et en fait, là, c'est un peu notre Highlander, quoi, le film de Guillaume Bureau, parce qu'on se retrouve et on peut enfin consommer un truc qu'on ne peut pas consommer depuis des années. Il a fallu 100 ans. Voilà, il a fallu 100 ans. En 1920, on était bien. Voilà. En 2023, voilà. C'est ça. C'est un peu plus sérieux. Non, mais c'était amusant, en tout cas, de retrouver cet acteur si solide avec lequel j'ai tant de plaisir à jouer, voilà, dans autre chose aussi. Oui. C'est un exercice... Mais ça va continuer, saison 3. Mais on est en train de le tourner, en fait. Vous êtes déjà, vous avez commencé le tournage. Oui, on a commencé le tournage. Et entre-temps, vous avez entretenu votre gestuelle. Vous savez toujours faire une prise de sang. Alors, je ne peux pas vraiment spoiler, mais ma gestuelle est un peu entravée, comme en saison 2. Non, mais c'est toujours aussi passionnant. Et on a de nouveaux cas. Il y a encore plein de rebondissements, mais on ne peut pas dire grand-chose. Et anticorps antiphospholipides, vous savez le dire toujours. Anticorps antiphospholipides. Eh ben voilà. C'est ischémique avec hémiplégie totale. Vous avez gardé des bases. Bien sûr. L'aspirine. Un peu d'huile d'olive et d'aspirine. Et tout va bien. Voilà. Ça a appris des trucs quand même. Karim, vous êtes passionné de cinéma depuis votre enfance. Vous avez fait plein de petits boulots avant de commencer votre carrière d'acteur. Un peu de fast-food, télémarqueur, intérimaire. Vous avez une phrase. Télémarketeur, pardon. Vous avez une phrase superbe. Vous faites de l'intérim de privilégié aujourd'hui. Oui, parce que le cinéma, c'est un art du moment et c'est un art. Dans lequel, c'est un temps passionnant. J'ai de la chance de faire de mon métier quelque chose de passionnant. Et le temps passe vite et je me sens comme un privilégié dans la société française. J'ai connu des boulots sur lesquels il y avait une certaine pénibilité et je trouve qu'on est tous des privilégiés de faire ces métiers où on joue. Mmh. Parce qu'on est tous des grands enfants, on joue. Il y a quelqu'un qui met en scène le jeu et je trouve qu'il y a quelque chose de très enfantin et de très amusant, voilà. Et puis c'est une vraie passion et je me dis qu'on a la chance d'incarner des vraies vies et des vies auxquelles j'ai beaucoup d'amis et de gens qui appartiennent aussi à ces vies-là et c'est une vraie responsabilité aussi en tant qu'acteur de défendre des vies qui nous entourent. Et vous aviez une autre passion, enfant ? Oui, le football. Ouais, c'est le football. Oui. Il l'a toujours. De me tenir. Plus particulièrement le PSG. Dès qu'il parle le PSG, Maradona, enfin il y a beaucoup de... Je crois qu'il y a quelqu'un qui a un message pour vous, Karim. Salut Karim, écoute, j'ai appris que tu étais un grand fan de football, du PSG des années 90 et de moi, ça tombe bien parce que moi aussi je suis fan de toi. J'ai l'impression que tu joues quand même pas mal de rôles de Marseillais pour un gars de Sèvres et supporter du PSG, ça doit jaser autour de toi quand même. J'ai envie de te proposer un choix. Si tu veux, tu as la possibilité d'aller dîner avec Leila Bekti et Louise Bourgoin avec qui tu joues, ou alors de venir voir un match avec moi. Et d'aller dîner ensuite entre mecs et refaire le monde. Très bonne émission et je te dis à très bientôt. Et si tu veux venir au match, eh bien écoute, tu vas juste à me faire signe. Salut. D'accord. Voilà, il y a juste à faire signe. Pardon, mesdames. Non, je vous aime. Même moi, je vous aime. Mais là, David Ginola. Non, mais Ginola, ouais, c'est quand même. C'est quand même ça, quelque chose de. C'est ça de l'amour, on va te laisser partir. Là, parce qu'on non, t'aime. Mais vous avez dit, j'arrête le cinéma. Pour un match de foot, quoi. J'ai entendu ça. Pour David Ginola, oui, El Magnifico. C'est quand même. El Magnifico. El Magnifico, c'est joli. Bon, on vous donnera son numéro après l'émission parce qu'il attend un petit SMS. Je lui ferai avec plaisir. Je trouve que c'est un joueur précieux du football français. C'est un grand romantique dans l'art qui est parfois le football. Je trouve que c'est quelqu'un qui dribble comme parfois on joue avec les mots. C'est un virtuose. C'est quelque chose de beau. C'est quand même quelqu'un qui a connu dans sa carrière un événement que j'ai trouvé très, très difficile. En 93 avec la Bulgarie et qui s'est réinventé. Qui avait été un peu à un moment donné comme ça aux médias. Oui, c'est plus que stigmatisé. Il s'est réinventé dans le pays. Oui, il a été lynché médiatiquement. Oui, mais il s'est réinventé dans le pays du football, l'Angleterre. Exactement. Et les Anglais lui ont décerné le trophée de meilleur joueur. Je trouve que c'est un joueur sublime. Voilà, c'est un joueur pour lequel vous aimez le football. Vous savez. C'est comme le cinéma, ça réinvente des choses, le football. C'est vrai, hein, des fois Karim, ça voit. Il y avait l'invitation avant tout ça, hein, c'était pas la peine de dire autant de bien de David Ginola. Non, je plaisante. C'est-à-dire que je voudrais qu'il apparaisse, là, je voudrais lui serrer la main. J'ai une admiration totale pour ce joueur. On ne peut pas ce soir ne pas parler du film de Jeanne Herry. On en a parlé vendredi dernier, je verrai toujours vos visages. Vous incarnez une caissière victime d'un braquage qui participe à un programme de justice restaurative. On regarde un extrait et un mot juste après. En fait, on n'a pas retrouvé mon agresseur. Il n'a pas de visage, pas de nom.
Je me dis qu'un jour il va revenir. Mais c'est forcé. Il me connaît, il m'a vu, lui. Il va venir finir le travail, il va m'achever. On a porté plainte. Il est peut-être en colère. Peut-être qu'on habite à côté l'un de l'autre. Mais ça, j'y pense tout le temps. Tout le temps. Voilà. Le braquage, il a duré 10 minutes, c'était il y a 5 ans. C'était juste 10 minutes. 10 minutes de ma vie et ma vie d'avant, elle est finie. 10 minutes pour rien. Pour rien. Pour de l'argent, pour... Voilà un extrait où votre personnage a ce long monologue. Chacun des personnages à tour ce monologue. C'est un film, nous disait Jeanne-Héry, qui détonne dans une époque de brouhaha où tout d'un coup on s'écoute, on ne s'interrompt pas. Il y a du dialogue. Et c'est aussi ça qui est beau dans ce film. Oui, c'est un film sur la réparation. C'est un film sur l'autre. J'ai beaucoup aimé faire ce film. J'ai beaucoup aimé... ce que ça m'a raconté aussi à moi. Je connaissais absolument pas la justice restaurative et je trouve que en ces temps-là c'est formidable, et puis c'est formidable quand ça marche, quand ça c'est ouais, j'ai beaucoup d'amour pour ce film. Physiquement, vous avez été allégé au fil du tournage, ouais. Comme ouais. Si la thérapie collective à laquelle participaient vos personnages avait agi sur vous. Exactement. On a eu la chance de tourner dans l'ordre chronologique, et du coup j'ai voulu que Nawel, donc mon personnage, elle n'arrive pas à dormir depuis des années, et je me dis qu'elle arriverait encore moins à dormir avant ces réunions, et je ne dormais pas dans la vie, je n'y arrivais pas. Donc j'arrivais, les deux premières semaines, j'étais complètement... j'avais des cernes jusque-là, j'avais mangé beaucoup, et puis petit à petit, en même temps que mon personnage... Je me suis retrouvée un peu à l'air un peu mieux, et puis mais ouais, ça a été très très intense, et tous les acteurs, enfin là on a vu un extrait bah, pardon, Adèle Exarchopoulos, Adèle qui est extraordinaire aussi, Élodie Bouchèze, Biran Bass, Suliane Brahim, Miu Miu, Gilles Lelouch, Jean-Pierre Darroussin, Fred Testo. C'est signé Jeanne-Héry, c'est demain en salle, et la semaine prochaine c'est Mon homme. On se bat par semaine pour avoir un mari comme Karim Leclou avec Leïla Bekti et Louise Bourgoin. Je vous invite à passer à table, comme dirait Nadine de Rothschild. D'ici là, j'étais à ça, Zoé Bruno. J'étais à ça. Coucou les copains. Ah bah t'es là toi. Ouais. Enfin t'étais où T'es sorti. Ah non, 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 pas du tout. Oh, j'avais pas envie d'aller à la soirée de Sarah. J'avais juste envie de me coucher, de mater une série tranquille. Mais si je lui avais dit ça, elle m'aurait eu à l'usure. Mais non, mais j'avais un truc hyper relou à faire, hyper loin. Hyper loin. Bah, écoute. Eh ouais, et là, je suis toujours en voiture et c'est hyper bouché. T'entends pas? Je sais pas combien de temps ça va me prendre pour rentrer dans le centre-ville, hein. Puis il faut encore que je passe chez ma mère, chercher Victor, que je le dépose à Benja. Non, mais une galère. Bah ouais, c'est vraiment pas de bol, je sais. Mais bien sûr, je te rappelle. À toutes. Pour bien blinder, hop, un texto à Benja pour pas qu'il fasse de gaffe. Ensuite, un texto à ma mère, parce qu'on sait jamais. J'ai même fait une capture d'écran du trajet. Non, mais une vraie espionne, quoi. Va pas me lâcher, celle-là. Oh. Allô? Eh non, toujours pas de progrès. Je me demande s'il n'y a pas eu un accident. Eh ben voilà, qu'est-ce que je disais? Accident! Eh ouais! Oh, mais quelle galère! Bah, je suis pas rendue, hein. Bah ouais, je sais. Bah, tout à l'heure. Je croise les doigts. Voilà. Oh non! J'avais cassé ma tablette, donc j'avais plus de série à mater. Je suis allée me coucher, mais je pouvais pas dormir parce que l'autre, elle m'a harcelée, là. Tigling, tigling, toutes les deux secondes, l'enfer! À 2h du mat', je lui ai envoyé « Désolé, je viens d'arriver chez moi. » Soirée trop relou. Exactement. Ouais, on sait, merci. Mais au final, j'aurais mieux fait d'y aller, hein. Parce que j'ai passé la soirée toute seule, sans série et sans dormir. Bien fait. Pardon. Mais qu'est-ce qu'il y a là? La soirée de Sarah. Ouais. C'était une surprise pour l'anniversaire d'Alex. Bah! Mais personne me prévient? Bah, check tes textos. J'étais à ça de faire un bon mytho. Dommage, hein.
Leïla, Louise et Karim, bienvenue à la table de C'est à vous, aux côtés de Bertrand Chamerois, que je ne présente donc pas, Louise. Bonsoir. Et Fillon. Et du chorégraphe Sadek Berhaba, bonsoir. Bonsoir. Très heureuse de vous accueillir ce soir à l'occasion de votre nouveau spectacle Murmuration, un ballet qui s'inspire de celui qu'offrent les étourneaux et leur vol hypnotique et harmonieux, représenté ce soir sur scène par vos danseurs. Ils sont 24 sur la scène de C'est à vous et on les laisse s'exprimer tout de suite. Et tous, bravo Sadek, c'est fascinant. Ouais, ça m'a tellement... on voit bien la force du collectif quand totalement. On voit les danseurs. Mais totalement, totalement. Après, c'est le concept qui veut ça. Donc, on s'imagine bien les murmurations des tourneaux, et c'est ça, mais avec des bras du coup. On vous voyait là. Vous pouvez pas vous empêcher de les diriger à la façon d'un chef d'orchestre. Totalement. Mais c'est exactement comme ça que vous travaillez, à la façon d'un chef d'orchestre. C'est exactement ça. Pour en faire fait, battre les ailes des étourneaux au bon moment. Quoi. C'est ça. Parce que normalement, là, à savoir qu'ils sont que la moitié. Donc, faut doubler le nombre. Ils sont 40 sur scène. Sur scène, exactement. Ils sont 40. En tout, on est 46, 47 plus moi. Mais 40 sur scène. Donc ça va tourner derrière et c'est pendant une heure. Et normalement, moi, je suis devant. Je suis, comme vous disiez, le chef d'orchestre. Et tous mes mouvements, en fait, ils accompagnent ce qui se passe derrière. Donc, quand je tape des mains, il y a des effets d'ondulation. Quand je fais une vague, par exemple, il y a une vague qui part de droite à gauche, etc. Et c'est là, on magnifique. Voit des images. Ah ouais, c'est tellement émouvant. Ça m'a ému. Ouais. Non, mais de le voir, comme vous le disiez, le collectif, en fait. Et cette force-là. Ah ouais. Je vous présente notre chef avant de poursuivre la conversation. Julien Raphaël, chef du restaurant La Grande Georgette à Reims. C'est moi qui ai fait les tuiles. Voilà. Oui, mais okay. Oui. Je précise. Bonsoir à tous. Très réussi. Bonsoir Julien. Oui, c'est Julien, pardon. C'est bien Julien. Donc, rien à ajouter. Tartare de veau et anguille fumée, du coup, une association de terre et mer, pardon. Et on a plein de petits éléments qui vont ramener du fumé, donc les anguilles fumées, mais il y a aussi des œufs de brochet fumé. Et on a plein de choses qui ramènent aussi de l'iode pour casser un peu ce côté viande du veau.
Donc on a les salicornes, les oyster leaves, les petites pousses de tagette et aussi les... Les raisins de mer. Raisins de mer, exactement. Extra. Merci. Bon appétit. Merci. À demain. Dans la liste de vos passions, Sadek, la danse, évidemment, que vous pratiquez depuis le plus jeune âge. Totalement. Michael Jackson vous a ébloui quand vous étiez tout petit. Mais aussi les mathématiques, la géométrie. Oui. La géométrie des corps, mais c'est venu dans quel sens ? C'est la géométrie des corps qui vous a conduit aux maths ou c'est les maths et la géométrie c'est venu comment ? Alors les maths, on va dire, pas trop, j'étais un peu le cancre du fond de la classe. Ah bon ? Ouais, ouais. Ah bon, j'ai mal lu alors. En fait, depuis tout petit, je suis passionné de dessin. Donc les mangas, les perspectives, tout ça. Et comme je disais, j'étais un peu le cancre du fond de la classe qui passait son temps à dessiner. Et c'est ça qui m'a amené à tout ça. Donc, je veux bien que mon fils c'est bien, c'est bien la ça. Géométrie. Mmh. Avec Amar Benbouzid, vous créez à Géométrie Variable et en avril 2017, vous postez une vidéo qui va devenir virale, qui fera l'effet d'une bombe. On en regarde un petit extrait. Alors c'est fascinant parce que à la fois c'est d'une simplicité graphique extrême et en même temps quand on regarde un peu attentivement on se dit que c'est quand même très très compliqué à mettre au point ce genre de choses. En fait c'est exactement ça, il y a toute une compréhension à avoir. Donc nous on vient de la scène hip-hop, donc on a fait pas mal de battles tout ça et ça ce que vous voyez c'est des mouvements aussi de popping, donc contraction musculaire, il y a du mime, il y a un peu de tout, faut comprendre les isolations du corps, les lignes du corps. Les points fixes. Donc un point fixe, c'est quoi ? C'est par exemple, c'est, je touche ici, ça ne bouge pas. Et en fait, en comprenant ça, en l'incorporant dans le corps, donc ligne, point fixe, ainsi de suite, on obtient ce genre de choses-là. Donc il faut vraiment comprendre, c'est comme si on était au milieu d'un Rubik's Cube. Donc il y a des lignes, des points partout, ça tourne, ça pivote. Et quand on a compris son Rubik's Cube à soi, et que l'autre comprend le sien, on connecte les deux et ça donne ce genre de choses. Ah ouais. Là, c'est c'était quoi le pouce ? C'est le seul truc qui est pas capable de. Patrick, il pense qu'il fait de la danse en faisant ça. Non, c'est comme ça. Ah ouais. Ouais, ouais. Je peux refaire. C'est vrai que depuis, vous êtes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes demandé. On vous a vu apprendre quelques mouvements de danse à Jennifer Lopez. On a une image qu'on va voir. Non, bon. Vous avez créé ensuite la chorégraphie du clip Girl Like Me avec Shakira et les Black Eyed Peas. Voilà, là, on a les images. Ou encore travailler pour une fameuse marque de chaussures, avec des semelles qui sont souvent rouges, sinon toujours. Puis il y a eu aussi les Grammy Awards, les Victoires de la Musique et ce clip magnifique qui annonce les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques de Paris en 2024. Parmi ces athlètes, il y a des danseurs porteurs de handicap visibles ou invisibles, et puis des acteurs sans handicap, parce que l'union fait la force. Exactement ça. C'était important pour moi d'avoir une diversité, d'avoir des gens... En fait, juste avant ça, j'avais posté une vidéo aussi où j'avais testé ce concept-là, parce qu'à la base, ça part vraiment de géométrie variable. Ouais. Donc on a fait des duos, trios, à 4, à 5, et je voyais plus grand. D'accord, je voyais vraiment plus grand, et j'ai voulu faire cette vidéo-là, donc j'ai contacté une amie à moi qui est de Bordeaux, Laurence Dufort, Studio Attitude. Et je lui ai demandé, est-ce que tu as 64 danseurs pour moi ? Parce que c'est dur de trouver 64 danseurs quand même. Elle m'a dit, bien évidemment. Donc j'y suis allé, j'ai dessiné toute ma chorégraphie. Comme je disais, ma première passion, c'est le dessin. Donc je dessine toutes mes chorégraphies. J'ai même développé un style d'écriture, vu que c'est très linéaire. Si je fais ça, si je fais un X, c'est ça. Si je fais un L, c'est ça, ainsi de suite. Et donc je suis allé à Bordeaux pendant une semaine. On s'est entraîné, je leur ai montré la chorégraphie, j'ai posté la vidéo et aussi ça fait l'effet d'une bombe aussi. Ah. Et après ça, désolé, je parle beaucoup. Non. Et après ça, du coup, j'ai été contacté par le directeur de Paris 2024 pour faire ça. Et il m'a demandé comment faire pour que ce soit plus grand. J'ai dit, déjà, on peut doubler le nombre. Et vu que c'est olympique, paralympique, et incorporer des gens en situation de handicap. Donc à savoir qu'il y a le premier rang des fauteuils roulants. Et derrière moi, qu'on ne voit pas, bien évidemment, c'est des souris muets. Donc c'était sur une semaine, c'était incroyable. Sadek, votre passion, elle se transmet dans les écoles, mais elle se transmet surtout à la maison. Regardez, la relève, elle est déjà assurée, non ? Avec votre fille. Mon bébé. Oh, mon cœur. Il y a
Elle est là, la relève. Elle était toute petite, là. Ça a commencé jeune? Oui. Ben, en fait, depuis toute petite, je la prends avec moi dans... À la Rubik's Cube, bien en place. Elle est prête, elle. Elle est prête. Elle est carrée, elle est... Ah ouais. Impressionnant. Elle corrige, voilà. C'est génial. Ouais, c'est... Murmuration, oh, c'est du 11 avril au 8 juillet. C'est au théâtre le 13e art à Paris. Merci beaucoup, Sadek, d'être venu ce soir. C'est à vous. On conclut cette émission comme tous les soirs avec notre petit Rubik's Cube à nous, qui est tout mélangé. Chameroi. Pas mal. Un jour, je serai dans l'ordre. Bonsoir à la une de ce 28 mars. Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et c'est la 10e. Aïe, la carte de fidélité est remplie, vous remportez donc, ça y est 10, vous remportez donc la suite de notre feuilleton, le 53e congrès de la CGT à Clermont-Ferrand, qu'on a débuté hier, congrès au cours duquel certains spectateurs sont appelés à prendre la parole sur scène, que, comme dans un rassemblement finalement. Puis il y a Jeannine. Jeannine, quand on l'a appelée à venir sur scène, dans sa tête, elle venait d'entendre, et le César est attribué à Jeannine. Nous invitons Jeannine Calado à nous rejoindre à la tribune. Jeannine du syndicat CGT SHBC Paris qui avait créé la sensation lors de la dernière manif, son « on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là » avait ému toute la salle. C'est la première récompense pour Jeannine. Autre récompense pour monsieur qui, comme au César, a un peu digressé lors du discours. Un bon syndicat, c'est comme l'Armagnac. Pour faire un bon Armagnac, il faut un alcool qui a bien vieilli, qui a été confronté au tanin. Alors là, vous pensez que c'est juste une métaphore? Non, mais vraiment, il a bifurqué sur la fabrication de l'armagnac. Il faut un autre fût où il y a un alcool qui, depuis 3-4 décennies, se lutte, en lutte contre le tanin. Mais quand on assemble les deux, ça suffit pas. Il faut aller chercher la jeunesse, c'est-à-dire l'alcool qui vient d'entrer en contact avec le tanin. Et quand vous faites cet assemblage, vous avez un armagnac. C'était trop. Avec modération, bien sûr. Il faut le rappeler. Ou pas. Ou pas. Et puis hier, je vous montrais les galères du vote à pancarte à main levée quand la salle est pleine à craquer. Après 5h20, ils n'avaient toujours pas voté pour le règlement du Congrès lui-même. Après, il faut dire qu'ils perdent beaucoup de temps sur plein de sujets annexes. Juste sur l'orga, nous, on est dans la Fédé Santé, on est sur l'hôtel Clermont-Estaing. C'est ça. Et il n'y a pas de navette qui vient nous chercher. On y va à pied, en vélo. Ouais. C'est pas cool pour Vincent Lagaffe. Au pire, il pourra rentrer en soucoupe volante avec celle de Bill. Hein. Vincent, mon ami Vincent. Oui, j'imite Bill du Big Deal, Babette. Je suis vraiment multiple. Et voyant que le vote à main levée était une sacrée tannée, ils ont finalement opté pour quelque chose de plus moderne. Hein. Voter avec des boîtiers. Sauf que vraiment, ils décident sur des sujets très étranges. Êtes-vous favorable au réveil des volcans par la CGT? Le vote est ouvert. C'était le vote test pour voir si le boîtier marchait bien, avec évidemment. 10e jour de grève et donc 10e jour de couverture médiatique sur les chaînes info qui continuent à pêcher le bon client. Malheureusement, ça ne mord pas toujours. Cédric, vous n'avez pas anticipé. Vous êtes dit ce matin, allez, on y va zen. Et puis bon, finalement, pas de soucis. Exactement. Par contre, vous redoutez un petit peu le retour ce soir parce qu'on est nation, donc c'est le point d'arrivée de la manifestation. C'est exactement. Est-ce que ça génère du stress, là, depuis 2 mois et demi, ces grèves à répétition et les transports chez vous? Non, rien du tout, tout va bien. Ouais. Zen. D'accord, pas du tout la personne que je cherchais pour ce direct. Non, c'est de plus en plus compliqué de trouver des bons clients, surtout quand c'est Patrick Cohen qui écrit leur texte. Je trouve qu'à un moment... Le gouvernement doit laisser tomber cette réforme parce que... Voilà. Et ce 10e jour de manif, les jeunes étaient dans la rue, l'occasion de réentendre en boucle cette phrase. Les manifestations de jeunes, c'est comme le dentifrice. Quand il est sorti du tube, on n'arrive plus à le faire rentrer. Les jeunes, c'est comme le dentifrice. Quand ça sort, ça ne rentre pas. Les jeunes, c'est comme le dentifrice. C'est plus facile à faire sortir qu'à faire rentrer. Et puis, il y a celui qui ne repartirait pas avec les 100 000 balles à n'oubliez pas les paroles. Sarkozy, c'est lui qui avait utilisé la fameuse phrase en disant quand les jeunes sont sortis du dentifrice, du tube de dentifrice, on ne peut plus les... Quand le dentifrice est sorti du tube, voilà, ce n'est pas les jeunes qui rentrent dans le dentifrice, ça ne marche pas. Ça serait encore pire. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas faire rentrer un jeune dans un tube de dentifrice, finalement, on se meurt. Alors, on connaissait les priorités au direct aujourd'hui, de nombreuses innovations sont à signaler dans cette discipline.
On vous retrouve Anthony Lebos, celui qui est à vos côtés, à savoir Fabien Roussel. Oui. Oui, on est en direct, alors priorité aux photographies hein, pour l'instant pour Fabien Roussel. Priorité aux photographies, mais il y a plus fort. Habituellement, une priorité au direct, ça sert à quoi? Ça sert à dire ta gueule à quelqu'un qui est en train de parler, parce que quelqu'un d'autre qui parle au même moment a quelque chose de plus intéressant à raconter. Aujourd'hui, avec LCI, on a basculé dans le multiverse avec Laurent Berger. Allez, revenez aux 64 ans. Mais faites la place au compromis social. Il faut prendre un mois et demi pour demander... Laurent Berger en direct. Regardez la manifestation parisienne. Regardez, ils sont là, il y a des représentants de l'Île-de-France. Les gars ont coupé Laurent Berger pour écouter Laurent Berger. C'est dingue l'an 2023. À part ça... Ah, pardon, priorité au direct. On retrouve moi-même de l'autre côté du plateau. Moi-même, t'as des choses à dire? Non, mais c'est-à-dire que là, j'ai rien de spécialement intéressant à raconter, donc je... Non, continuez la chronique, Bertrand. Enfin, continuez l'émission, Babette. Merci, Bertrand. Oui, pardon, LCI? C'est vraiment pas bon. Et ça va remettre peut-être de l'huile sur le feu, effectivement. On va demander à Florian Philippot ce qu'il en pense. Non, merci, ça ira. Non, on est déjà super à la bourre. Pendant ce temps-là, Roland Lescure et Clément Beaune participaient à la semaine de l'innovation, du transport et de la logistique. Et on ne le savait pas, mais ils sont père et fils. Regardez, c'est trop mignon la façon dont ils se passent la parole l'un à l'autre. Clément, c'est à toi. Merci. Merci, monsieur le ministre. Un peu de tendresse, ça fait pas de mal. Niveau innovation, puisque c'était l'objet de ce rendez-vous, Clément Beaune a quand même de gros efforts à faire. Couper un bout de tissu, par exemple, il ne sait toujours pas. Allez-nous maintenant. Parfait, merci. Super, tout le monde a coupé le chien, on y va. Bravo. Et alors que le pays est tendu, que faisait le président hier? Il s'adonnait à sa plus grande passion. Réaliser des shootings mystérieux, aériens et pensifs. Je suis beau. La grogne. Je suis beau. L'embrasement. Je suis beau. Que dire, que faire? Je ne le sais. 49 toits. La nouvelle eau de parfum d'Emmanuel Macron. Paris. Et on referme ces actualités avec un anniversaire. Merci. 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 C'est 25 ans alors. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Il y en a un dans le tas qui ne savait pas où finirait son merci qu'on a tourné cet après-midi. Je vous laisse deviner lequel. L'info continue demain. Bonne soirée.